Vache, tu fais pas ça d'habitude. Oh, ouais, t'es énervé là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de fin d'année. Salut à tous. Attends, je pleure. Vidéo de fin d'année. On va vous... hop, on est mal cadré, regarde. Hop, voilà, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, dans cette petite vidéo, on va vous expliquer deux, trois choses et on va vous expliquer un peu ce qui nous attend en 2020. Voilà, et oui, tout ce qui va se passer. Il va se passer encore plein de choses. Et voilà, si vous avez suivi le live, vous savez qu'on avait déjà un projet depuis un petit moment qui nous tenait à cœur, même si on était déjà en train de faire un projet. Vous le saviez. Bizarre, mais pas pour nous. Vous verrez, la semaine prochaine, on a fait une petite série vidéo, si vous avez suivi, 5 jours, 5 portraits. Je vais vous présenter 5 personnes en 5 jours, lundi, mardi, jeudi, non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça sera la semaine prochaine, à partir du 6. C'est bien ça. Et vous allez voir que dans plusieurs portraits qui sont en train de faire des projets, et ils ont déjà d'autres projets. Donc, exactement. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. C'est trop bien. Voilà. Ça fait moins peur d'un coup. Vous serez tenu au courant en temps et en heure, bien entendu. Mais ça risque de vous plaire, et voilà, c'est encore un peu foufou, un peu farfelu, mais ça nous ressemble et c'est ça qui est génial. Et c'est canon, parce que c'est notre vie et c'est génial. Putain, ça résonne, hein. Voilà. Voilà, moi je voulais déjà dire que j'ai passé un super mois de décembre. Ah, t'as vu, quand tu prends le temps, tu trouves tous tes mots quand ouais, tu parles. Mais ça doit être chiant par contre, non? J'ai passé un super mois de décembre. Ouais, franchement, c'est... En tout, hein, on n'a pas voyagé beaucoup, mais du coup, avec le bus, on a rencontré... On n'a pas voyagé beaucoup, on a fait 1500 km ouais. Le mois de décembre. Mais on a rencontré énormément de monde et tout, et bah, ça nous a encore poussé encore plus à changer de projet, plus vite, plus... Voilà. Voilà, franchement, vraiment top ce mois de décembre. La vie est un enchaînement de plein de choses, un enchaînement d'expériences, un enchaînement d'énormément de choses, de rencontres et tout, qui font que on évolue tout simplement avec le temps. Et nous, quand on évolue, on ne cherche pas à comprendre, donc... On évolue avec. On attaque, hop, on agit, voilà. On évolue, on agit et on cherche pas à comprendre. Et on perd pas de temps surtout. Voilà, on perd pas de temps. Pas de temps, hein, voilà. La vie est tellement courte. Enfin bref. Donc on a passé, comme je le disais, un mois de décembre génial, des rencontres exceptionnelles. Hein. Franchement, c'était trop cool. On est super content d'avoir passé cette année aussi avec vous, qui a été riche en rebondissements, en travaux. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, on commençait à attaquer le Captain et là, il est fini, ça y est. Et voilà, tout ça, ça a été une chouette aventure. Et si vous avez bien suivi, là, on est rentré dans le Maine-et-Loire. Vous voyez, c'est le brouillard, donc il fait un petit peu froid. J'ai ressorti ma petite veste The Vadrouilleur Forever, vidéo sponsorisée par The Vadrouilleur Shop. Exactement. Hein? D'où la patronne. Qui est la boîte de Charlotte. Donc on a le droit de sponsoriser. Et on n'est pas obligé de le noter parce que c'est nous en fait. C'est trop bien. D'ailleurs, la boutique de Charlotte est de nouveau ouverte. Ouais, ça y est. Vous pourrez retrouver vos petites vestes. Alors faites vite et faites attention parce que ces vestes-là, molletonnées à l'intérieur avec la grosse capuche, vous voyez, elles ont fait fureur. On en a vendu pas mal. Et là, il nous en reste un bon stock. Ouais, il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu, voilà. On va liquider parce que comme les beaux jours vont bientôt arriver, voilà, au printemps, vous retrouverez vos petits suites classiques. Exactement. On peut pas se permettre d'avoir des gros stocks, surtout les suites molletonnées, ils prennent énormément de place. Ouais. Donc ils ont tous été floqués par moi et Charlotte. Là, ils sont chez surtout notre partenaire Anthony. D'ailleurs, un de ces quatre, il faudra qu'on aille le voir, Anthony, qu'on vous le présente et puis qu'on passe une petite journée avec lui. Et vous allez voir que c'est une personne comme ça et qui met tout son cœur pour faire vos produits et qu'on gère toujours la boutique avec Charlotte. Voilà, tout ce que vous avez à voir, c'est avec nous, bien entendu. Mais c'est lui qui va en fabriquer certains et qui va surtout vous les envoyer. Et vous allez voir que c'est une personne chouette et que voilà, il est aussi attachante que nous et que Charlotte, je pense. Vous serez content de le voir. Et si nous on lui fait confiance, c'est que vous aussi vous pouvez. Voilà, lui faire exactement. Confiance. Il fait partie de la famille. De toute façon, c'est un bandit. Hein. C'est un bandit. Exactement. Avant tout. Et voilà. Donc la boutique est ouverte. D'ailleurs, regardez, hein, vous pouvez voir. Voilà. On a rouvert le site il y a 2-3 jours. Et vous pourrez trouver tous vos petits produits, vos mugs, vos badges. Et nous allons d'ailleurs créer un petit mug bonne année. Pour la bonne année. Pour la bonne année, on va faire ça tout à l'heure là. On va faire un petit design et tout sympa. Voilà, un petit mug série limitée pour la bonne année 2020. Exactement. Ce mois-ci aussi, il va être consacré aussi pour l'école des enfants. Parce qu'on a le contrôle qui approche.
Donc on va se mettre à fond à faire l'école et puis parce que c'est vrai que le mois de décembre on a eu tellement de choses que on a laissé un peu on les a mis en vacances assez tôt. Les a mis en vacances assez tôt, genre vers le mi-décembre je crois. Ils avaient bien bossé. Ils avaient super franchement bien ils bossé. Avaient bien bossé. Donc là on s'est dit bah les 15 jours 3 semaines de vacances, on s'est dit allez hop, on va reprendre un peu plus pour pouvoir être tranquille pour le contrôle. Et après, comme ça, ils auront un petit peu aussi des jours de vacances parce que là, on va faire le mois de juillet au taquet. Donc, on va le aussi, mois de juillet au mois de janvier, pardon. Et comme ça, au taquet au mois de janvier. Et comme ça, on va pouvoir reprendre aussi quelques jours de vacances après, au mois de février, parce qu'ils auront bien bossé aussi au mois de janvier. Ouais. Donc, voilà les petites nouvelles. Et on vous partagera tout ça dans une petite vidéo. On va refaire le récapitulatif de l'année, du début d'année scolaire avec les solutions qu'on avait choisies. Après, on est passé à autre chose et on aura un petit recul pour vous dire si ça s'est bien passé. Justement, en rapport au contrôle, on avait des petits défauts l'année dernière. C'est ça. On n'avait pas assez d'écrits. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Pas assez d'écrits, elle voulait qu'on ait un planning. Ouais, voilà, elle voulait qu'on ait un planning. Sinon, les enfants, bah, ils étaient plus ou moins dans le niveau. Ouais, ça va, ça y est. Ils étaient plus ou moins dans le niveau, voilà. Il manquait de l'écrit. Après, bon, ça sera jamais assez bien. Hein. Je pense pas qu'un jour, ils viendront nous dire « C'est bon, vous êtes parfait cette année. » L'année d'avant, il y avait trop d'écrits, donc ouais. On a un peu laissé. C'était un pas peu la même personne. Cette année, donc, on avait fait un peu moins d'écrits, mais c'était pas suffisant pour le contrôle qu'on a eu. Donc, bah, cette année, on a fait un peu des deux. On verra. On verra, c'est ça. On a vraiment privilégié les matières principales. Et ce qu'il y a de plus cette année, c'est qu'il y a Julia, normalement, qui se fait aussi contrôler. Et là, on n'a pas une nouvelle pour et ce on contrôle. On n'a pas une nouvelle. Mais ouais. J'ai reçu un courrier comme quoi elle était bien inscrite à l'académie en tant qu'instruction à la famille. En famille. Donc, normalement, elle devrait se faire contrôler aussi comme ses frères et sa sœur. Julia, elle est en plein dans les couleurs. Bah là, elle est à fond dans les couleurs. Les couleurs, les chiffres et tout. Elle a 4 ans et elle commence tout doucement à sortir des belles phrases. C'est vrai qu'elle a eu pas du mal, mais elle a parlé un peu plus tard que certains enfants. Je pense notamment à la petite de Stéphane et Alex, ouais. Qui a quel âge ? Elle a 2 ans. Elle a même pas 2 ans. Elle a même pas 2 ans. Elle parle super bien. Mmh. Donc voilà, ça dépend vraiment des enfants. Et là, c'est marrant parce que Julia s'attardait un peu, mais on voulait pas la brusquer. On l'a vraiment, elle a évolué vraiment à son rythme et elle commence à sortir des belles petites phrases et tout. Bon, et c'est trop mignon. Ouais, mais pas forcément bien. Ce matin, je l'ai reprise parce qu'elle me dit « Oh, Lucas, t'as foiré ton dessin. » Julia, je fais « On dit pas foiré. » Ah bon, bah je devais dire quoi alors? Du coup, elle m'a fait rigoler. Je dis, bah t'as loupé ton dessin ou t'as raté ton dessin. Ah d'accord. Du coup, c'était drôle parce que c'est des petits mots qu'elle nous entend forcément dire et puis que bah elle savait pas la pauvre. Donc c'est ouais, non, c'est clair. Donc c'est voilà, c'était vrai, c'est trop trop mignon. Elle commence tout doucement et Lucas, il dit ça y est, il dit papa et il dit maman avant tout. Et il a 2 ans aussi et voilà, c'est papa, maman, gentiment, tout doucement, ouais, mais sûrement. Il parle pas très peu quoi. Mais très très débrouillard, j'ai envie de dire. Mais comme Julia, très débrouillard et il sait ce qu'il veut et quand il veut quelque chose, bah il sait se faire entendre. Ça c'est tout sa mère. Exactement. Donc voilà, on vous a parlé un petit peu de cette année, de cette fin d'année, de ce qui nous attend l'année prochaine et de l'école. Voilà, on est arrivé, comme je disais tout à l'heure, on est arrivé dans le Maine-et-Loire et hier je l'ai tout nettoyé parce que on a mangé du sel pas mal en Auvergne. Ouais. On est arrivé en Auvergne et on a dit c'est quoi ce froid ? On est passé de 20 degrés à Perpignan à moins 2, quoi. On était le chauffage, il s'est remis en route parce qu'il faut savoir que le chauffage à l'arrière, ça fait quasiment 3 semaines qu'on n'avait pas fait le plein. Ah ouais. Et j'ai refait le plein là en arrivant chez ma mère. En Auvergne, ouais, ça nous a calmé. On a dit, c'est quoi ça? Il faisait moins 2. On est sorti, on a dit, ah, c'est il pas fait possible. Au moins 8000. C'est quoi ce froid? Truc de dingue. Justement, en ce qui concerne le chauffage, je devais vous tenir au courant sur les consommations et tout. Mais le mois de décembre, il a été tellement doux pour nous. Qu'on ne pourra pas vous dire combien on a consommé. Juste ce que je peux vous dire, c'est qu'on a consommé pas grand-chose. On a dû mettre à peine 40 euros ou 50 euros de pétrole dans les chauffages. Et c'est vraiment pas beaucoup, c'est très peu. Parce que je vous dis encore une fois, dans le sud, il faisait 20 degrés. Ah ouais, c'était... C'est hallucinant. Même les gens de là-bas, hein, ils disaient que c'est quand même assez rare qu'on ait un Noël à 20 degrés. Quoi. Ah ouais, ils ont dit ça? Bah, le gars où on s'est posé... Moi, là, je pensais que c'était toute l'année comme ça. Au centre équestre, il a dit c'est quand même étrange le jour de Noël d'avoir 20 degrés. Quoi. D'ailleurs, on conseille le centre équestre de Bages, là. Mmh. Franchement, c'est super chouette. Hein. Vous allez vous poser, vous dormez bien, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. C'est calme. Un superbe accueil, c'est calme. Et si vous avez un petit véhicule pour vous déplacer, une petite mobilette, un petit truc à droite à gauche, vous avez 2 minutes, 3 minutes, ouais. Vous avez un petit centre-ville avec des magasins pour faire les courses, vous avez tout ce qu'il faut et il y a même un Action. Non, ça j'aurais pas dû placer, c'était nul.
Enfin voilà, petite chose à part. Et franchement, on a passé une semaine, c'était génial. Et pas besoin d'aller en Espagne ou au Portugal. Quand on voit le temps qu'ils ont en ce moment, faut arrêter de dire qu'ils ont 25 degrés, 30 degrés en ce moment. Ils les ont pas. Non, ils les ont pas au Portugal. Ouais. Ils se font des nuits super fraîches et le temps, il dégringole assez vite. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour 5 euros par nuit, vous pouvez aller là-bas. C'est plutôt cool d'être pas très loin de l'Espagne et de payer que 5 euros. Et si vous voulez les LEC, 24 heures, c'était 5 euros aussi. Ouais. Et l'eau est gratuite. Nous, on chargeait de temps en temps pour recharger les panneaux quand on avait dépensé beaucoup d'électricité. Et l'eau gratuite, ouais, ça, c'était cool. Ouais, c'était vraiment bien. Donc pour finir, le bus, donc les bus, ça passe. Pour partir, on a eu un petit peu de mal. On n'a pas filmé parce qu'on était en stress. Moi, j'étais en stress. Et en fait, il y avait un petit fossé et Jérém, t'étais un peu On avait la roue extérieure qui était dans le vide. Ouais, j'ai un peu flippé, moi, donc j'étais trop Tu m'as un peu engueulé, d'ailleurs. Bah, je t'ai engueulé. Parce qu'il me dit, vas-y, sors, va me guider. Ok, je sors. Même je gueule dessus. Non, ah non, je le guide. Arrête d'avancer. Arrête. Non, sauf qu'il continue à avancer. J'avance, moi, je suis un dingue. Je savais que j'avais une roue intérieure encore qui était sur le dur. Non, je crois pas, non. C'est passé. Ouais, c'est passé. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'est bon, je vais y aller un peu plus vite, t'inquiète, ça va aller. Sauf que non, il y allait quand même tranquillement. Du coup, bah ouais, il m'a fait râler et j'étais pas contente. Du coup, j'ai dit, bah prochaine fois, tu te débrouilles, tu me demandes de te guider et en fait, tu te débrouilles tout seul. Donc, mais sinon, ça passe super bien et franchement, même l'accueil, hein, c'était vraiment cool. Franchement, il y avait d'autres personnes et tout. Super. Vraiment. Des bandits qui sont venus nous voir. Ouais, c'est vrai. Hey, salut les vadrouilleurs et tout. Ils allaient en Espagne, c'était deux couples. Et ils allaient en Espagne pendant une semaine et demie, 15 jours, un truc comme ça. Et puis moi, je les ai On a papoté un peu au matin. Parce qu'ils sont arrivés au soir, Ils sont arrivés au soir, mais on avait trop de trucs à faire. Et au matin, ils sont venus, mais j'étais encore dans mon lit. Ouais. Franchement, c'était excellent. Voilà. Donc, le centre équestre de Bages, il y en a qu'un, de toute façon, il me semble. Et franchement, on vous le conseille, c'était vraiment top. C'est de la pub qu'on fait gratuitement, mais là, volontiers. Franchement, volontiers. Et on est remonté tranquillement. Vous savez qu'on a été voir une petite maison qui était à vendre. Le prix, c'était 14 000 euros, donc c'était vraiment pas cher parce que vous savez qu'on aurait aimé un terrain depuis assez longtemps. Ça fait déjà depuis Flash qu'on voudrait un terrain, mais on n'avait pas trouvé. Et puis là, je sais pas, c'était le fait de regarder. On avait trouvé cette petite maison à 14 000 euros, mais en fait, elle était vraiment trop proche de la route. C'était une départementale. Et la seule chose qu'on n'a pas demandé, c'est la chose que personne demande, ou alors nous on ne sait pas faire, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un accès? On s'est dit, pour aller sur le terrain juste pour rentrer avec sa voiture. On s'est dit, une maison avec 1200 m² de terrain, vous pouvez au moins rentrer votre voiture dedans, sur le terrain. Et bien la seule chose qu'on n'a pas demandé, c'est la seule chose qui a foiré. On est arrivé. On pouvait juste rentrer, il y avait un tout petit accès minuscule pour même faire rentrer rien. Kilo, mais juste, tu faisais rentrer une petite voiture de rien du tout. Et après, elle s'arrêtait parce que après, c'était juste un tout petit passage. En fait, c'est après rentrer sur le fossé et puis pour rentrer avec à pied. Vous pouvez juste rentrer à pied. Même un vélo, ça passait pas. Donc, le bus, c'était pas possible de le faire rentrer, bien entendu. Et ça, franchement, ça n'allait pas. Et voilà, du coup, comme on était en Auvergne, on a décidé de rentrer. Comme on n'avait pas les papiers, comme on vous a expliqué dans le live, on n'avait pas les papiers, on a décidé de rentrer parce que là, les petits sont bien. Voilà, on a retrouvé le jardin de ma mère. Ils sont bien avec leur mamie, tout ça. On va se faire un petit nouvel an avec mamie, ça va être bien chouette. Et là, on est bien et on est cool. Et comme ça, on peut réfléchir à nos nouveaux projets pour début février, voilà, qui vont commencer à se dérouler début février. Comme je disais tout à l'heure, on va vous en parler en temps et en heure. Par contre, à partir de début février, vous savez maintenant, c'est quasi officiel que le bus va être en vente. Donc, dès qu'il sera vendu, ça va s'accélérer très vite parce qu'on veut repartir sur les routes 2-3 mois après, pas plus. Voilà, vous savez que début printemps, on sera sur les routes. On vous tiendra aussi au courant de nos destinations. On n'en parle pas pour l'instant parce que voilà, on a assez dit de trucs et tout. Deux, trois petites choses qu'on devait faire qui ne sont pas faites. On devait faire des choses qui ne sont pas faites, mais bon, c'était pas de notre faute. On a pas reçu nos papiers. Ça fait 3 mois qu'on aurait pu partir et on n'a pas pu partir tout simplement parce qu'on n'avait pas nos papiers. Mais là, vous savez qu'on va partir dans peu de temps et voilà. Et ça va s'accélérer super vite et vous allez voir des trucs qu'on va faire. Ça risquerait de vous plaire. Il fait peur des fois. Ça risquerait de vous plaire, mais là, ça va être. Ça va être construction quasiment du début jusqu'à la fin et ultra rapide. Voilà. Il y a intérêt. On les laisse, nos petits bandits ? Ouais, allez. Donc, c'est officiel. C'est mercredi. Voilà. Vous avez fait. La fête. Vous avez fait le nouvel an hier. On espère que vous avez passé une bonne année 2019. On vous donne rendez-vous pour l'année 2020. On vous souhaite une très bonne année. Prenez soin de vous.
prenez soin de vos proches, prenez soin des gens que vous aimez et surtout, vivez vos rêves sans trop réfléchir au lendemain. Ouais, ça je sais, on en rigole parce que nous c'est comme ça qu'on vit, mais on le vit bien. Après, s'il y a des gens qui ont besoin de leur stabilité et de faire leur projet tout doucement au fil des années et de voir sur super longtemps, eh ben très bien, si vous êtes heureux comme ça, c'est génial. Nous on est heureux en faisant des projets dans tous les sens et c'est ça qui est génial. Et nos enfants c'est pareil si c'est pas plus maintenant parce qu'ils ont pris le vice et là ils veulent déjà partir dans notre nouveau projet. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Passez une excellente année. Quant à moi, je vous souhaite aussi une excellente année 2020. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, une année remplie d'amour et faites ce qui vous fait plaisir. Allez, ciao, bisous. Voilà, je veux qu'on fasse une entrée fracassante, ok? Je sais pas, moi j'arrive à faire comme ça. Ouais, c'est pas grave, c'est mon truc. Et toi t'arrives d'ici. Je vais faire, bah vous êtes là vous. Vas-y, toi t'es bon, t'es pas dans le champ. Vas-y, tu te mettras à côté de moi, moi je serai bien cadré, je vais me recadrer quand je vais me voir, ok? Tu fais ce que tu veux, improvisation. C'était nul. C'est tu fais un truc comme ça, tu fais... Tu fais... Je veux dire, bah Charlotte, tu fais pas ça d'habitude. Vas-y, fais un truc de dingue. Non, pardon. Pourquoi tu fais une voix de mec? Fais une guerrière. Fais une guerrière. Ouah. Mais si, vas-y. Oh, pousse-toi. Mais bon, tu cries, on dirait que... Une guerrière. Une guerrière. Mais si, imagine, t'es dans un film, t'es une guerrière. Bah, je t'ai fait tout à l'heure, tu m'as dit non, ça fait une bonne... Mais non, t'as fait... Ouais, tu me remarques, ça fait peur. Sur un champ de bataille, une guerrière, je sais pas, t'es une guerrière viking. Elle faisait pas... Non ? T'arrives, imagine, t'as une épée, un bouclier, t'es sur un cheval. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, imagine, t'arrives à... Tu fais tes courses... Avec ton caddie. Non, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Faut que ça sorte. Tu vois ? T'as compris ? Allez, on recommence. T'as mis trop de temps. On fait pas une vidéo avec un peignoir en dessous d'un manteau, Charlotte. Voyons. Mais t'inquiète pas, je filmais pas. Faut que j'aille dans ma chambre. Non. Ah, j'en ai un ici. Tiens, Julia, tu ramènes ça. But headed for a homestead westward like the old kings.
nothing I don't need, but I got all that a girl could ask for. Two hands to pray and a voice to sing. Two hands to pray. All go to waste. Done me wrongs, ain't done me nothing but help to turn another page. Done me wrongs, ain't done me nothing but help to turn another page. It just happened.